Journée, les Lillois caracolent en tête de la deuxième division et leur déplacement hier soir à Niort leur a permis d'engranger 3 points supplémentaires avec un 3-0. Une performance d'autant plus remarquable qu'ils se sont retrouvés à 10 dès la 41e minute et l'entraîneur lillois s'est même offert le luxe de ne faire rentrer Boutois et Bakary que pour les 20 dernières minutes de jeu. On s'est parlé un petit peu pendant mi-temps. On a dit on va se battre jusqu'au bout, on va essayer même gagner. Et mon équipe a montré encore une fois une énorme capacité de solidarité. Et la solidarité n'a pas fait défaut, car tout s'est joué dans la scène finale. À la 76e minute, Bakary, sur l'un de ses premiers ballons, servi par Boutoual, ouvre le score. Dans le stade, c'est la consternation. Mais ce n'est pas fini pour les nordistes. 4 minutes plus tard, Bakary, encore lui, sert une balle de 2-0 à Agasson. Les nordistes sont à la fête et la consécration sera signée. Boutoual, le capitaine des Dogues, crucifie les chamois. Quant aux Wascaliens qui recevaient Amiens, ils concèdent leur 4e nul de la saison et sont toujours 18e en bas de tableau.